Coucou, aujourd'hui on va faire la petite carte du mercredi. Donc ça va être une petite carte spéciale enfance, très simple à faire. Il va falloir que vous récupériez des pubs qu'il y a dans les boîtes aux lettres. Voilà, en ce moment on est bien gâtés avec toutes les fêtes de fin d'année, on en a beaucoup. Une base de cartes, voilà. Une paire de ciseaux, théoriquement à bout rond pour vous, hein, mais moi je prends cela. Mais vous faites attention, si n'utilisez pas des trop gros ciseaux. Et de la colle. Voilà, de la colle, celle-ci, la colle en bâton, celle que vous devez tous avoir normalement dans vos trousses. Voilà. Alors, déjà, je pense qu'il faut pas partir sur une idée bien bien précise de carte. Il faut feuilleter les magazines et bah, au fur et à mesure que vous allez trouver des idées. Eh bien, vous allez les découper. Vous voyez, par exemple, là, on peut découper la petite lucarne, lanterne. Voilà. Moi, par contre, ça me plaît bien. Parce que aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui qui sort le film Casse-Noisette de Disney. Et j'ai vu qu'il y avait des petits personnages comme ça. Et je crois que je vais faire une carte avec des petits soldats. Des petits soldats comme dans le dessin animé Casse-Noisette. Donc, bon, avant de le découper, il aurait fallu que je regarde derrière s'il n'y avait pas un motif qui me plaisait davantage. Mais bon, j'ai pas découpé, j'ai pas regardé. Donc, je le mets de côté. Je regarde quand même s'il y a autre chose. Alors, j'aime bien la bande là qu'il y a ici. Vous voyez, une toute petite bande, je sais pas si vous allez la voir. Ça fait un petit peu une bande comme un sucre d'orge. Voilà, donc je crois que je vais en découper un morceau. Avant, je vais regarder ce qu'il y a derrière. Ah bah, il y en a un autre. Bon bah, je vais... Super. Je crois que je vais découper un morceau de ça. On va essayer de s'appliquer. Alors, comme je vous dis, il ne faut pas vraiment avoir une idée bien précise. Ça dépend de ce qu'il y a dans les catalogues. Des fois, il y a... Bah, les sapins aussi, c'est intéressant. Parce qu'en ce moment, il y a les sapins, il y a les idées de décoration de sapins. Et du coup, il y a pas mal de, bah, de sapins dans les catalogues publicitaires. Et ça peut faire des très jolies décorations. D'ailleurs, je vais regarder si j'en ai pas un quelque part. Voilà. Bon, on va essayer de regarder à peu près, bon, on va dire jusqu'à là. Je vais le couper vite fait comme ça parce qu'en fait j'ai juste envie d'avoir un angle. Voilà, c'est l'angle rouge et blanc. Donc je vais bien découper juste ce que j'ai besoin là. Et je vais regarder dans les cas. J'ai pas regardé vraiment tout à l'heure s'il n'y aurait pas un sapin. Je pense qu'il devrait y en avoir un quelque part. Donc voilà, vous découpez ça. En fait, c'est pour. Voilà, j'ai envie de faire un angle. Un angle avec ça. Voilà, on verra après. Donc ça, je le mets de côté. Donc j'ai pas vu de sapin. Bon, il y en a encore un là, mais je vais pas en mettre. Bon, je vais le découper quand même. De toute façon, après, les magazines, on n'en fait rien. Hein. Hop, ça m'en fait deux. Là, il y a marqué un Noël, là, vous voyez. Je crois que je vais le récupérer aussi. Ah bah là, il y avait carrément. Ouais, mais il y a le gros rond là qui cache. Non, c'est un tout petit peu trop large. C'est dommage. Mais sinon, vous voyez, on peut récupérer tout l'encadrement là pour faire votre carte. Allez, hop. Là, il y a même un rond. C'est super sympa. Vous voyez, quand on commence à regarder, finalement, on trouve plein de trucs. Donc là, le Noël m'intéresse bien. Hop. Il y a marqué Sweet Noël, mais je suis pas sûre de garder le mot Sweet. Voilà, pas de sapin, pas de sapin. Ouais, je crois pas qu'eux ils vendent de sapin. De toute façon, non, non. Ah, bah il y en avait encore un plus grand. Hop, Noël, Noël, Noël. Bon, non, non, là il n'y a pas de sapin. Hop, on le met par terre. Tac. Est-ce que chez eux, il y a des sapins?
Il y a, bah ouais, y a surtout à manger. Bah, il y a des petites étoiles là, ça aurait été intéressant aussi de les découper, mais j'ai pas trop envie là. Voilà, clairement. De l'alcool. Ah, il y a des Pères Noël. Ouais. Ah, il y a une bonne. Ouais, mais ça va pas aller. Sinon, regardez là, il y avait une belle grosse tête de Père Noël là, qu'on aurait pu découper. Des. Ah, bah voilà, petit sapin. Ouais, pas terrible, mais bon, on va quand même le prendre. On va prendre un petit sapin. Ouais, pour moi, pour les mettre de côté, je les découpe à l'arrache comme ça. Là, c'est des jouets. Hop, hop, hop. Des vêtements. Hop. Des enfants. Ah, ça, c'est pas mal aussi. Bon, allez, on va la découper aussi. On verra bien ce qu'on va en faire. Je la mets là et je vais regarder mon troisième et dernier catalogue. Ah ben voilà. Ben voilà, il y en a là des grands sapins. Bon. Lequel je vais prendre? Celui-là il me plaît bien. Allez, je découpe ma feuille et je m'arrête là parce que sinon il n'y aura pas assez de place sur ma petite base de cartes. Donc j'ai choisi un sapin. Donc je vais découper le sapin. Alors je vais le découper. En fait, je vais faire un triangle. Hein, en gros. Puisqu'on va venir coller des choses par-dessus. Et comme le fond à eux est blanc et que le fond de ma carte est blanc. Blanche. Non, le fond blanc. Eh bien, on va. Parce que ça serait trop compliqué de découper toutes les petites branches et tout là. Un peu compliqué. Bah, je vais prendre les petits cadeaux qu'il y a en dessous du sapin. C'est très joli aussi. Voilà. Et on va. Hop. Moi, je vais découper comme ça. Donc, ça va me faire mon fond. Un beau sapin dans le fond. Voilà. Mais avant, je voulais mettre ça, la petite bordure là. Voilà, je vais couper à la bonne dimension après, comme ça, ça fait une jolie petite bordure. Et je voulais mettre un. Bon, alors le sapin là, il est trop petit, je vais pas le prendre. Oui, le mot Noël que je vais découper, je ne sais pas comment. Je vais laisser quand même un petit peu de couleur de fond. Je tourne autour du mot Noël. Voilà. Voilà, j'ai pris que le mot Noël. Et ça. Je le mets de côté. Donc, je ne sais pas où je vais le mettre. Certainement en haut, là, comme ça. Et du coup, bah, je vais prendre mon petit soldat. Le petit soldat, là, qui est trop mignon. Et oui, comme je vous disais, il y a le film. Moi, je crois que je vais aller le voir. Hein. Je ne vais pas résister. C'est un nouveau Disney, c'est Casse-Noisette. J'ai vu des extraits. Les décors, ils sont magnifiques. Alors, je ne sais pas si vous allez aller le voir ou pas. Mais moi, il y a de fortes chances que je le voie. Hop. Alors, vous voyez, je découpe pas forcément bien tous les détails. Hein, parce que sinon, c'est trop compliqué. Puis le papier des publicités, il est quand même assez fragile. Est-ce que je découpe le deuxième ou pas? Ouais. Allez, on va découper le petit à côté. Bon, moi j'ai fait comme ça, mais vous pouvez coller plein d'autres choses. Si vous voulez coller des choses à manger, des chocolats, qu'est-ce qu'on trouve dans les des jouets. Il y a des très belles, des très beaux nounours en peluche aussi qu'on peut découper et puis coller.
les petites étoiles là, comme je vous ai montré, que j'ai pas pris. Des fleurs, les décos quand il y a les décos de Noël, les décos de pour mettre dans les sapins. Donc voilà, je vais mettre les deux casse-noisettes là, mon sapin de Noël, ma bordure et voilà. Donc, bah alors j'arrive pas à attraper. Ce que je vais faire, ouais, il est un petit peu abîmé, bon, c'est pas grave, on va prendre de l'autre côté. C'est que je vais mettre de la colle sur ma bordure là. Bon, je vais la rectifier un petit peu. Il y a un peu de jaune, ça me plaît moyen. Ça par contre, il faut bien découper au bord. Hein. Avec des ciseaux adaptés. Hein. Des petits ciseaux à bourron si vous êtes un petit ou une petite. Voilà. Donc, je vais prendre un papier pour protéger ma table, sinon il va y avoir de la colle partout. Enfin, ma table, mon plan de travail. Hop. Il m'en manque un petit peu par ici. Et ça, je vais le mettre au coin. Voilà. Mais après, vous, ça dépend ce que vous, comme je vous l'ai dit, je crois que je l'ai répété 20 fois. Ça dépend ce que vous allez trouver dans votre dans le magazine que vous aurez à votre disposition à découper. Voilà. Ça peut être un magazine, ça peut être aussi un programme télé. Les programmes télé qui sont terminés, bien sûr, parce que sinon vous allez vous faire disputer si vous prenez le programme télé de mamie qui est en cours. Hein, elle va pas être contente. Ou de maman, ou de tata, ou je ne sais pas qui. Avec qui vous faites... la petite carte. Donc voilà, j'ai découpé les morceaux qui dépassaient. Ensuite, je vais mettre le sapin. Voilà, ça va faire un beau décor dans le fond. Donc là aussi, je vais me mettre sur la protection et je mets de la colle en bâton. Ça colle bien, ça suffit la colle comme ça. Ça sert à rien de prendre de la colle trop forte. Voilà, on en met bien sur les bords. Tac, tac. Bon, ça, je vais le mettre comme ça. Voilà, on va coller le mot Noël en haut à gauche. Je réfléchissais. Voilà. Un petit Noël. Et ensuite, là, mes deux soldats, je vais les coller là. Voilà, c'est tout. Hein. C'est tout ce que j'avais découpé. Le sapin, la bordure, les petits soldats et le mot Noël. Hein. Donc, le grand, je vais le mettre sur le bord. Il n'y a pas d'ordre précis. Hein. Je le mets comme ça. Et le plus petit... on va le mettre à côté. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Tout simplement, juste découpé dans des catalogues publicitaires. Une petite carte toute simple qui est à la portée quand même de tous. Hein, et qui ne nécessite qu'un morceau de papier pour faire le fond. Alors vous voulez que je vous donne la dimension, parce que si vous n'avez pas de base de carte, allez la marée. Alors il faut un morceau qui fasse 21 sur 14,5. Voilà, après vous le pliez en deux et ça donne ça. Voilà. Ensuite il suffit d'aller chercher dans les magazines des petits sujets qui vous intéressent, des images qui vous intéressent et de les assembler pour faire quelque chose qui vous plaît. Voilà, j'espère que la petite carte du jour vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis bonne création à tous. Allez, à très bientôt.